Bonjour à toutes et à tous, je suis Chobiti. On est actuellement en live pour Packrat Dans the Bone Burrows, où on est Packrat et où on attrape des petits lapinous. Donc, dans le précédent épisode, on a fait les deux premiers terriers et on a un petit peu commencé celui-là. On va continuer notre aventure. Et bien sûr, comme je le disais, on est en live. Donc le live est là pour m'aider, parce que, comme on le voit, on a un niveau un petit peu compliqué. Donc notre petit lapin. Mais pourquoi tu vas par là, lapin? Tu es terriblement agile de ses petites papattes de lapin. J'aimerais déjà qu'il sorte de là parce que c'est pas évident. Oh là là, mais dès qu'on fait un truc, il va à droite, il va à gauche, il sort du machin. Ouais, et puis nous, on est obligé d'aller au milieu. Comment je le fais sortir de là? Donc on n'oublie pas les règles des lapinous. Les lapinous, ils nous fuient. En ligne droite, enfin, l'opposé de nous du coup. Les lapinous, ils évitent les cul-de-sac. J'aurais dû mettre ma cage du coup. Hop, je mets ma cage. Donc t'as décidé que t'allais par là. Si je fais ça, t'iras tout droit. Si je fais ça, tu vas là. Si je vais ici, tu vas à gauche. Oh my god. Donc là, il monte. Si je fais ça, il retourne par là, bien évidemment. Comment dire? Tu me casses les cacahuètes, lapin. Je vais mettre ma cage là pour que tu arrêtes de m'embêter. Sauf qu'en fait, non, là c'est nul comme position pour qu'il arrête de m'embêter, ce lapin. On sait qu'il va sortir, qu'il va aller à gauche, que si on fait ça, il va tout droit. Que si on fait ça, il va aller à gauche. Que si on fait ça, ah ouais, il va tout droit puis à droite. Crotte, 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 crotte. J'aimerais bien pouvoir m'en sortir avec ce lapin. Parce que
J'aurais tendance à dire qu'il faut réussir à Non, bonjour Nardinus, c'est pas un jeu pour devenir fou, c'est un jeu pour attraper des petits lapins. Mais effectivement, là, on est un peu sur un niveau où on a effectivement l'impression de devenir fou, je te confirme. Puisque le petit lapin s'enfuit devant nous. Et que je dois bien avouer que je me galère comme pas possible. Pour voir où le jeu nous amène. Parce que en fait, j'ai l'impression de faire tourner mon lapin autour de ce gros bloc là, qui est un bloc de tunnel où moi je ne peux pas aller. Et j'ai un peu l'impression qu'il faudrait que je réussisse à l'en faire sortir pour que ça fonctionne. Sauf que à cause de tous ces tunnels, eh ben, ça me complique la vie. Ouais, les petits lapins sont réfractaires tout à fait. En même temps, hein. Vu ce qu'on a vu de pâquerettes et d'Ophéline, je comprends tout à fait les lapins qui veulent s'en aller. Raté. Je vais y arriver. Donc, je vais passer mon lapin là. Sauf que du coup, il va repasser par là. Donc... En plus, ils sont malins, hein, parce qu'ils voient les cages. Donc, encore qui voit pâquerette qui est bruyante comme pas deux et qui fait énormément de bruit, je comprends. Mais j'avoue bien que là, cet épisode de VOD, il va pas durer longtemps hein, si je m'en sors pas du tout. Je vois pas comment gérer notre lapin. J'aimerais bien en fait le faire sortir de cet amas de... Ah, mais j'ai peut-être réussi là. Ah. Je pense qu'on devrait pouvoir bien plus s'amuser. Sauf que là, il va voir mon tunnel, bien évidemment, ma cage. Donc la cage, c'était pas la meilleure des idées. Ouais, voilà! On a mis notre lapin en cage! Ah! Bah oui, je peux pas l'attraper, c'est pas du jeu! Si je n'avais pas ma fidèle pioche! Ah, je peux casser des murs! Ok! Sauf que du coup, le but du jeu, ça reste quand même d'attraper le lapin. Si je casse tous les murs, on va un petit peu se compliquer la vie. Il faut que je le fasse aller. Ah oui. Le lapin, il est malin, il voit que c'est un cul-de-sac. Si je peux casser tous les murs à un moment, on va peut-être avoir des soucis. Ah non, je peux pas casser tous les murs. J'avais qu'une seule utilisation de pioche. Ok. Oui. Oui, c'est logique. Du coup, ai-je cassé le bon mur? Je l'ai
l'impression que non, donc on recommence. Je vais casser celui-là. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux quand on fait tomber le bon mur. Alors, du coup, j'ai une utilisation de pioche. Ok. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse mon lapin ? L'emmener par là en fait. Je vais casser celui-là. Hop. Oui, sauf que là, je vais faire une grosse débile, donc non. Hop. Puisque bien évidemment, il ne va pas dans le cul-de-sac. Vu qu'il est malin. À moi de trouver la bonne chose à faire. Endroit où c'est intelligent de casser le mur. Je sens que ça va devoir me demander de la réflexion, cette connerie. Comment je peux savoir c'est quoi le bon mur à casser pour emmener mon lapin dans son cul-de-sac. Non, je suis tombée. Tu penses qu'il faut même pas casser de mur? Tu penses que je peux attraper ce lapin sans casser de mur, Nordinus? Je suis pas sûre de pouvoir y arriver. Parce que là, on va faire les malins. Là, il monte. Ah, c'est vrai qu'on est déjà au troisième terrier de lapin sur 5. Donc effectivement, tu as loupé un petit peu tout le début des concepts. Donc pour l'explication, les petits lapins, ils nous fuient. Les petits lapins, ils nous fuient, ils vont en ligne droite à l'opposé de nous. Si jamais ils ont un choix, comme là, ils avaient le choix entre droite et gauche, on voit qu'ils vont partir vers la gauche. Si ils voient des cul-de-sac, eh ben, tout simplement, ils évitent les cul-de-sac. Et si jamais, bah, ils voient qu'on leur a mis une petite cage ou quelque chose du genre, eh ben, c'est l'équivalent d'un cul-de-sac, ils n'y vont pas non plus. Mais effectivement, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour casser? Parce que si, j'ai une utilisation de pioche. Hein. Mais effectivement, j'ai pas de cage. Pas à ce niveau-ci. Comment je peux m'en sortir? C'est pas évident de voir quelle case je dois casser.
Je suis un peu en mode perplexe là. Y a rien qui me saute évident. Le bloc à gauche de la flèche. Faudrait déjà que je vois la flèche. Alors, non, effectivement, il voit pas les impasses, il y a un virage qui lui cache. À gauche du trou. Ah oui, de fin, oui. Celui où j'étais, quoi. Tu casseras celui-là, qui est celui que j'ai cassé tout à l'heure. Et je voyais pas trop ce que ça m'avançait. Puisqu'en fait, je me retrouve coincé avec mon lapin. Puisque là, bah, juste... Donc on va reset. Et on va tenter d'autres choses. Ah, si. Excusez-moi, je bois un petit coup. Voilà. Et effectivement, il fallait lui faire un cul-de-sac qu'il ne voyait pas. Merci Dardinus. Alors, mon petit lapin. J'ai deux coups de pioche. Oh là, ça va être pire. Deux coups de pioche. Alors. Ce côté-ci me donne envie d'ouvrir par là. Sauf qu'avec deux coups de pioche... Tout ce que je peux faire, c'est coincer mon lapin. Par contre, avec deux coups de pioche, je dois pouvoir faire un truc qui va par là. Alors, petit lapin. Petit lapin. Ouais, clairement, je casse ça, je casse ça. Hop, on le fait aller dans ce sens-là. On lui fait faire demi-tour et on lui fait croire qu'il y avait une sortie. On a deux coups de pioche ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Par un lapin. Il est pas gris celui-là, hein, il est marron. Je verrais bien un peu le même genre de conneries. Sauf que... si je marche sur le trou, moi je tombe. Donc, ah ça c'est un mur que je peux pas casser. En plus,
Ok. Est-ce que je peux t'emmener par là, petit lapin? Genre, je te fais fuir par ici. Pourquoi tu vas par là? Oui, parce que tu vas à gauche par défaut. Ok. Qui n'est pas ce que je veux. Ah, je suis tombée. Du coup. Est-ce qu'il peut descendre? Convaincu en fait qu'il puisse descendre. Du coup, je ferais bien. Ah, j'ai que deux utilisations de pioche. Genre, je ferais bien quelque chose comme ça. Il faut réussir à lui faire reprendre. Voilà, tunnel. Il va tout droit. Sauf que là, il va aller tout droit par rapport à nous. Donc, en fait, c'était une idée toute nulle. Point ça. Réfléchissons. J'arrive pas à le faire descendre en bas. Et je peux pas casser ces blocs là. Je peux casser ces blocs ici, mais c'est pas forcément intéressant de faire un cul-de-sac de la sorte. Ce qu'il va le voir. Je peux casser. Un certain nombre de blocs. Ah mais je peux peut-être le faire descendre par là, du coup. Si je fais ça. Là. Là il va tout droit. Là il va par là. Et là il descend. Et là il va à gauche. Ah oui, donc il faut que je défasse celui-là. Donc, on le fait descendre. On le fait aller tout droit. Et on lui fait croire qu'il y avait une sortie. Hop! Niveau 7. On a une seule utilisation de pioche. Il y a déjà moins de terriers. Moins de petits tunnels à se cacher, mais effectivement. Ah, je casserai bien là. Alors, petit lapin. Hop, on t'a eu. Ah, on a un petit lapin coincé. Quelle est la chose la plus intelligente à faire pour le sortir à un endroit qui va nous arranger? Je dirais quelque chose comme ça. Il va aller tout droit. Et il est coincé. Parfait. Fallait juste le temps de comprendre le concept jusqu'au bout. Ah, j'ai 3 niveaux de pioche. Ouais, quand ça se complique, hein, quand il y a plusieurs possibilités de piocher. Déjà, là, moi, je peux pas sortir.
Amstramgram, piqué piqué collégramme. Je vais casser celle-ci. Ah, même rebelote. On a des zones séparées en fait. Ok. Je vais faire ça. J'imagine que tout l'esprit est emmené par là. Sauf que là, j'en ai pas du tout par là. Lui, il va pouvoir se sauver. Là, il va aller tout droit. Donc, j'ai forcément loupé quelque chose. On y retourne. Est-ce que c'est la chose la plus intelligente de casser derrière lui? Est-ce que... J'ai pas plutôt intérêt... Je pense pas que ça soit ça la solution, parce que là je crée un trou. Ouais, non, non. Donc, on va bien faire ce qu'on a commencé, c'est-à-dire on le suit. On détruit les bouts de terrier. Et je casserai bien là, plutôt. Sauf qu'en fait, que pouic. Donc... Toujours pas. On va y arriver. Oups. J'aurais quand même tendance à dire que c'est celui-là. Mais je vois pas comment le faire passer, en fait. Que là il redescend. Du coup, tour de manège, on se retrouve là. Et puis, on est plus ou moins coincé. Je pense que ça, c'est pas un mauvais move. C'est peut-être après qu'il faut qu'on fasse des choses différentes. Si je casse ici et que je casse là, mon lapin. Ouais, chaque fois que je me retrouve ici, on joue. Au lapin et pâquerette en mode on s'en sort pas. Peut-être que du coup je vais laisser prendre ce tunnel là et moi sortir par là. Ensuite, je reprends mon idée de tout à l'heure, qui était de faire ça. Pour essayer de l'emmener par là. Je suis coincé encore. C'est ça, je suis coincé encore. Coucou Contamine !
comment vas-tu? On est coincé. Donc, oui, bah là, on est un peu coincé avec nos lapins. Je t'avouerais que celui-là est très rétif. Et qu'en plus, j'ai le droit à 5 coups de pioche. Alors, autant dire que c'est assez énorme. Ouais, sauf que non. Je reprends mon idée. On va ici. On va. Oui, voilà, ça le fera. Et on part par là. Petit lapin. Donc, il passe dans son tunnel. Là, je l'emmène dans son cul-de-sac qui nous casse les cacahuètes. Merci pour ton renouvellement d'abonnement, GG. Contamine pour ton deuxième mois. Merci, Contamine. Le signe te dit merci. Et moi, je galère comme pas deux sur mon lapin. Ah, je suis tombée! Trois coups de hache, c'est quand même assez énorme. Enfin, de pioche en l'occurrence, du coup. Je passe mon temps à faire du cul-de-sac là, en fait. Dans les mêmes pièges. Non, non, non. Ah, je suis tombée. Ça paraît être la bonne chose à faire. Le lapin va par là. Moi, il faut que je le rejoigne. Je le rejoins par là. C'est peut-être la solution. Faut juste que je trouve comment l'amener au bon endroit. Donc là, il va tout droit. Ah oui, crotte, il va à gauche. Oh, tu vas à gauche. Et crotte, là, il va aller tout droit. Non, non, j'ai quelque chose qui coince dans mon raisonnement. Sont vraiment pas faciles hein, ces niveaux avec les terriers. Tourne en rond. Je suis vraiment désolée. Je ne trouve pas la solution. Du coup, je reset. Et on essaye de réfléchir. Je vais casser
ici parce qu'on sait que ça me casse les cacahuètes. Et pour le rejoindre ici et qu'il arrête de me casser les cacahuètes, que je puisse l'emmener là où je veux l'emmener. Là où l'emmener, bien évidemment, étant dans un cul-de-sac. Parce que ça, c'est pertinent. La moitié du temps, c'est la réponse, c'était plutôt non. Mais du coup, peut-être qu'on peut casser ces deux-là. Que du coup, comme j'ai cassé ici, il refait demi-tour. Il va me fuir, il va aller à gauche. Il va tout droit. Et j'ai l'air con. Comme d'habitude. Puisqu'il nous fuit et que du coup ça ne marche pas. Bon. Ceci est pertinent parce que ça nous permet de nous débloquer quand le lapin il s'enfuit de ce côté-là. Je dirais bien par ici et peut-être par là. Du coup, je fais fuir mon lapin. Non, non, non. Ici, c'est vraiment pas la meilleure des idées. On se retrouve en cul-de-sac avec notre lapin. Faut vraiment qu'on casse quelque part par ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas évident. Je vois pas. Est-ce que tout simplement je devrais pas faire ça? Ça change rien en fait, hein, parce que le lapin me voit. Limite en haut, c'était plus pertinent. Parce que notre problème, c'est que quand il est là et qu'on a toujours un tunnel, il prend le tunnel. Si je casse ici, moi je passe, mais lui il a toujours un tunnel. Est-ce que j'ai moyen de faire en sorte là j'ai peut-être moyen de faire en sorte il faut que il remonte on fait le petit tour, on lui fait croire qu'il peut aller par là. Perdu. Sauf que non, là je suis coincée. Donc c'est pas ça. Crotte de bique. J'aime assez ça parce que ça nous permet de nous débloquer quand notre lapin est de l'autre côté. Ici. Le souci, c'est que les carrés de 4-4, quand le lapin y va, il nous fuit. Si on arrive d'en haut, il nous voit et descend par le tunnel. Je
crois que j'ai déjà essayé ça. Là, le lapin va par là. On peut lui faire changer de sens en allant par là. Là, il avance. Sauf qu'il remonte. Du coup, je suis complètement coincée, en fait. Parce que là, ça marche pas. Ah, je suis tombée. Serait-ce le moment, doucement, d'arrêter ce live, puisque je ne m'en sors pas. Peut-être, peut-être pas. Ici, ça me paraît peu intéressant. Ici, ça me paraît pas si mal, en fait. Donc là, on fait passer notre lapin dans la deuxième zone. Dans la troisième zone. J'aurais tendance à dire que l'astuce est là, sauf que j'arrive déjà pas à faire passer mon lapin par là, en fait. Puisqu'il s'enfuit de vachement plus. Et si je creuse là, ça n'a aucun intérêt. Coincé. Je vois absolument pas comment m'en sortir. Si je fais ça. Le truc, c'est que j'arrive pas. J'arrive pas à le faire aller sur la partie... tout à droite. C'est celui-là, tu vas mettre, c'est celui-là. Alors, on me souffle dans l'oreillette de casser plutôt celui-là. Testons. J'avoue que je vois pas ce que ça change, hein, parce que j'y arrive pas. Du coup, je suis absolument... Désolée, je pense que je vais m'arrêter là. Je vois absolument pas comment m'en sortir avec mon lapin, là. Et ça fait déjà... Il reste deux possibilités auxquelles j'ai pas pensé. Bah voilà. Je sais déjà pas à quoi j'ai pensé. Ça a aucun intérêt de casser celui-là. Il va jamais s'arrêter là. Enfin, je peux, mais tu vois. Oui. Ça n'a aucun intérêt. C'est d'accord, ça paraît être la bonne solution. Mais ensuite, juste mon lapin il est coincé. J'ai aucun moyen de l'amener dans un cul-de-sac. Ah si, si, je peux casser là. Eh ben non. Ah, j'y ai cru.
qu'il est là, tu peux te donner ça aussi. Tu veux remonter là? Non. Non, non. Je casse ici. Je casse ici. Et je casse là. Merci Nardinus pour le soutien, j'y serais pas arrivé sans toi. Wow. Oh my god. Ça c'est pas l'anticipation de faire creuser l'avance aussi. Ouais déjà Ah déjà on voit qu'on a une zone là et que là on a coincé notre lapin comme des gros débiles. Donc, faut que je me barre à droite. Faut que je lui fasse un trou dans une de ces trois là. Je vais le faire là parce que pourquoi pas. Visiblement, pourquoi pas, c'est parce que... Et là, en fait, j'ai pas fait de cul-de-sac. Donc en fait, il faut que... Je ramène Monsieur Lapin. Qu'est-ce que j'en sais, moi, que c'est Monsieur Lapin? Ça se trouve, c'est Madame Lapin. Je tourne en rond là. Ouais, d'accord. Je tourne en rond. Donc, on a dit qu'on faisait pas ça. On lui fait un trou sur une de ces trois là. Et effectivement, quand on fait les choses dans le bon sens, ça se passe mieux. Pression! Ah ouais, carrément. Alors, faut déjà que j'arrive à mon lapin. Ensuite, mon lapin, qu'est-ce qu'il fait? Je peux lui faire ça, mon petit lapin. C'est notre 34e lapin. Effectivement, comme le dit le signe noir, un seul petit bébé lapin. On a eu que des niveaux à un lapin. Oh là là, on a 4 pioches à mettre. Alors je dirais ici. Sauf que mon lapin, il va pas. Donc c'était certainement pas là. Si je fais mon coup de pioche là. Pour que j'aille, pour qu'il aille à gauche. Pas mieux. On recommence. Réfléchissons. Mon cher petit lapin.
si je casse ça. Que je casse ça. Tu te retrouves ici. Il faut que je te fasse un cul-de-sac pour pouvoir t'attraper, hein. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas de cul-de-sac pour pouvoir t'attraper. Ah, faudrait que je passe... Je peux pas casser celui-là. Je passerai bien genre là. Ouais, je sais, mon petit lapin. Non, là, il va toujours aller tout droit. J'ai peut-être fait une bêtise. Faut que je l'emmène par là. Et j'aurais dû casser celui-là, du coup. On recommence. Coucou, petit lapin, petit lapin. Je suis pas crête, je veux t'attraper. On a dit, on casse celui-là. On casse celui-là. On refait le tour de manège. Sauf qu'il va aller tout droit là. J'ai encore raté. Y a aucun moyen qu'il aille à gauche. Donc on y est toujours pas. On casse ici. Bah oui, entre sa gauche et sa droite. Est-ce que j'ai un moyen de faire en sorte d'atteindre ce lapin en lui faisant un cul-de-sac? Si je casse... De toute façon, je peux pas casser celui-là, donc. Soit je casse ici pour le rejoindre. Et dans ce cas-là, quel est l'intérêt? Je vais pouvoir le rejoindre, il va aller tout droit dans le tunnel. Et je l'aurai dans le baba parce qu'il sera de l'autre côté du tunnel et que je reviendrai et qu'il sera de l'autre côté du tunnel. Donc ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que je casse ce tunnel. Mais ensuite, comment je l'attrape? J'ai bien une vague idée, mais j'ai l'impression de m'être cassé mes possibilités, en fait. Parce que j'aurais tendance à dire, il va falloir que je casse ça, en fait. Du coup... Est-ce que je devrais pas plutôt casser ça et ça? Il me reste deux coups de pioche. Je vais faire fuir mon lapin.
cher Le Signe Noir, il y a une question pour toi. Non, Nardinus, c'est Chobiti qui fait les puzzle games. Je sais pas si tu as entendu Nardinus, mais le signe dit que non. Les puzzle games me sont réservés. À moi, la grande démone chasseuse de lapins qui s'en sort absolument pas. Réfléchissons. Et si j'ouvre simplement là, il va pas y aller tout seul, hein, on est d'accord. Il va pas tout seul. Aucun moyen qu'il aille à gauche de ce côté-là. Donc. Tu peux t'économiser un pioche en cassant celui qui est à droite de l'île. Ça, t'as pas besoin d'en casser un deuxième pour lui faire peur. Oui, mais je peux pas. Bah non! Ah bah voilà! Merci le signe! Qui me dit marche sur le trou. Ah bah voilà, je peux pas remonter. Je peux pas faire ça. La lumière m'appelle. Je suis censé mettre le lapin sur le. Il s'est passé quoi? Est-ce que je viens tout juste d'être béni par une divinité lapin? Je peux désormais me téléporter à la surface. N'importe quand, à partir du moment où il pose. J'aimerais bien attraper mon lapin. J'ai un coup de pioche. Oh my god, où est-ce qu'il faut que je le mette mon coup de pioche? Pas détruire un certain nombre de choses. Détruire ici je peux, mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que je peux faire? Je vois pas vraiment ce que je suis censé faire là. Et puis il y a cette musique. Parce que si je fais un trou plus ou moins au hasard, on est d'accord, ça marche pas. Hein. Surtout que les trous sont pas en face des colonnes. Enfin, ils sont en face des colonnes à chaque fois en fait. Les trous que je peux creuser, sauf les colonnes. Colonne elle-même, je vois pas l'intérêt de les casser. Euh...
puzzle, hein. Ouais, y a de... bah, y a... oui, oui, il y a de la difficulté, hein. Là, clairement, je ne vois pas. Puis j'ai qu'un coup de pioche, donc je peux pas faire un tunnel ou ce genre de choses. Oui, il y a forcément quelque chose de caché, on est d'accord, hein, mais là... est-ce que je peux remonter? Oui, je peux remonter et récupérer mon lapin que j'arrivais pas à récupérer. Du coup, comment on attrape ce lapin? J'ai pas d'idée. Je casserai bien là. Donc Zikino, tu as vu des sacs poubelles dans le niveau d'avant. Ben, on y retournera dès qu'on aura réussi à s'occuper de ce lapin-ci. Donc, petit lapin. Tu vas tout droit. Là. Mais j'ai fait aucun cul-de-sac, donc t'iras nulle part en fait. Parce que là, j'ai aucune chance de te faire tourner à un endroit qui m'intéresse. On n'y est pas. Je fatigue. On va aller voir les sacs poubelles, effectivement, tu as raison, ces deux-là ressemblent à des choses un peu bizarres, et cette colonne-ci est différente des autres. Je sais pas si je dois te remercier, Nikino, Zikino, hein, parce que... J'en fais quoi, mettre ce lapin? Le lapin des enfers. Je l'attrape comment? Ah si, faut que je l'amène là-bas. L'amener là-bas. Ah, attends, j'ai un piège. Ah, je commence déjà à oublier que j'ai une cage. Voilà, mais... Ça y est, on me donne des vieux systèmes. Et je suis déjà... tout rouillé. Donc...
complètement là-dedans. Il va là. Je veux pas qu'il aille tout droit. Je vais faire un petit peu trop avancer. Je veux qu'il aille à gauche. Mais pas autant. Est-ce que je peux le mettre? Rien. Sauf que non, du coup. On recommence. Foutu lapin. Je te cours après, petit lapin. Il va aller au milieu, ce qui mange pas beaucoup plus. Ah oui. Du coup. Bah non. Faut que je fasse en sorte d'arriver à sa droite pour qu'il parte à gauche. Compliqué. Petit lapin. Mettre une cage. Non, là il traverse. Ah, il traverse. Oh là là. Mais j'ai plus de cerveau, moi. Ouais, je confirme ça. Mon cerveau n'y arrive pas. Ah oui, et puis genre, on va avoir un paquet de... niveaux avec ces lapins secrets. Eh bien, moi, ce que je vous propose... c'est de remonter... du coup, au... dernier niveau que j'ai pas réussi à faire. C'est-à-dire... celui-là. Et je vous quitte puisque je sens que je fatigue et que je me galère. Je verrai si je fais la suite, si je reprends ici en live ou pas. Mais en tout cas, ben, je vous remercie d'avoir regardé. Sachant qu'on est que dans le troisième terrier, hein, donc on a encore deux terriers qu'on n'a pas du tout explorés. Et pour lesquels il nous faut collecter des lapins pour les débloquer. Donc déjà, on est un peu coincé. En tout cas, moi je suis coincé. Mais je vous remercie. Bye bye!